Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Notre Saint Patron, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Tous les saints et les anges de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, les sacrements sont les moyens les plus puissants pour nous obtenir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour croire et faire ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Donc, on est au deuxième sacrement, on a vu le baptême qui donne une marque indélébile. Parce qu'il a, il donne la possibilité de recevoir les autres sacrements et la confirmation, voilà, c'est le deuxième sacrement. J'ai comparé les sacrements la fois dernière avec il y a deux semaines quand on parlait des sacrements en général avec la vie naturelle. Le baptême, c'est comme la naissance et la confirmation donne les forces pour devenir adulte. Parce qu'on ne reste pas bébé. Quand on est vie, comme les plantes, les animaux et les hommes, on se développe. La vie matérielle, en tout cas, la vie visible, sensible. La vie des anges, non, elle ne se développe pas. Ils sont, une fois qu'ils sont créés, sont parfaits. Donc, ils n'ont pas de croissance, etc. Pas de reproduction non plus, n'est-ce pas? Ils sont créés par et générés. voilà, donc c'est la différence avec les hommes. Alors, la première question du catéchisme de Maline, qu'est-ce que la confirmation? La confirmation est le sacrement qui nous donne le Saint-Esprit avec ses grâces et ses dons, spécialement la force de professer courageusement sa foi. Voilà, c'est une définition, mais il faut quand même expliquer. Qui nous donne le Saint-Esprit avec ses grâces et ses dons. Ça veut dire la plénitude des grâces et des dons du Saint-Esprit. Parce que comme vous savez, on vient de dire dans la leçon dernière qu'on reçoit le Saint-Esprit avec le Père et le Fils et les vertus infuses et les dons infus, n'est-ce pas, au baptême, avec la grâce sanctifiante. On reçoit déjà tout cela, n'est-ce pas? Par la grâce sanctifiante, vous savez, on a vu ça lors de la vie chrétienne, quand on a parlé de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est justement l'amitié avec Dieu, et puisque l'amour, l'amitié est amour et l'amour uni, la grâce sanctifiante unit à Dieu de telle façon que la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ est accomplie, où il dit que moi et mon Père, nous venons
habiter en vous. Et il va dire aussi, il va parler à la troisième personne, je vous enverrai un consolateur, un autre consolateur. Donc, il y a les trois personnes qui habitent en nous. Donc, la confirmation est le sacrement qui donne la plénitude des grâces et des dons du Saint-Esprit. La plénitude, donc plus, jusqu'à ce qu'on soit plein. Ça veut dire qu'on ait atteint la mesure pour laquelle bon Dieu nous a créés, la mesure qu'il nous a donnée, attribuée. Et ça dépend de notre vocation, notre mission sur cette terre. Tout le monde a la mission d'aller au ciel. Mais comment? Eh bien, on a qui ont besoin de plus ou moins de grâce pour aller au ciel, pour accomplir leur mission. Un Saint François d'Assise qui devait fonder un des ordres les plus difficiles, n'est-ce pas, avec une pauvreté complète, pratiquement complète, il a eu plus de grâce que une simple personne qui juste fait son devoir et qui a accompli les commandements de Dieu et qui amène le bon Dieu avec toutes ses forces, qui devient aussi saint, mais dans une vie plus simple, n'est-ce pas? Les fondateurs d'ordre, tous les fondateurs d'ordre ont la grâce pour exercer jusqu'à une perfection toutes les vertus qui seront exercés dans leur ordre parce qu'ils doivent servir d'exemple à tous. Exemple à tous. Donc, vous comprenez que dans ces conditions-là, on reçoit plus de grâce que quelqu'un qui n'est pas fondateur d'ordre, tout simplement une vie plus commune. Donc, c'est ça la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de grâce des dons du Saint-Esprit, ça dépend de la personne. Si on a un petit verre, il est plein. Si on a un grand verre, il est plein aussi, mais il y a plus dans le grand verre que dans le petit verre. C'est la même chose dans le ciel. Dans le ciel, notre verre sera rempli, mais par les bonnes œuvres, on peut faire construire notre verre, notre récipient, dans lequel mon Dieu va verser la plénitude. Donc il va remplir le verre, mais c'est ici, par les mérites, qu'on va construire plus ou moins un grand réceptacle pour cette gloire cette fois-ci. Donc ici, on parle de la grâce, mais la même chose vaut pour la vie de gloire dans l'éternité. Donc nous, avec l'aide de la grâce, nous allons construire notre, façon de parler, notre réceptacle, notre récipient, et le bon Dieu va remplir avec la gloire. Mais ici, même sur terre, il va remplir, il va nous donner des grâces et des dons pour accomplir notre mission, et ça dépend de nous comment on va l'accomplir, parce qu'il y a encore la libre volonté, bien sûr. Mais on a les grâces. Nous avons les grâces pour arriver à la perfection, parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit « Soyez parfaits ». Mais la perfection qu'il a demandé est relatif, elle n'est pas absolue. Seul Dieu est absolument parfait. Parfait, toutes les perfections dans la vie infinie. Nous sommes relativement parfaits. Ça veut dire que si on fait le maximum qu'on peut faire, on est relativement parfait. Dans les yeux de Dieu, on est saint, on est relativement parfait. Donc celui qui a reçu qu'un talent, il suffit qu'il montre deux talents, comme dans la parabole. Mais celui qui a reçu 10 talents, il va montrer 20 talents au moins quand il arrive au ciel. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, Jésus va nous juger avec équité, bonté et justice. Alors, il dit spécialement la force de professer courageusement la foi. Parce qu'on a vu avec les dons du Saint-Esprit, quand on a parlé encore de la vie surnaturelle, on a parlé des dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, le dernier don, c'est la force, hein, et c'est le don qui renforce la vertu de force, la vertu infuse de force, et qui, elle, à son tour, a fortifié la vertu naturelle de force qu'on a plus ou moins, avant qu'on a reçu la grâce par un baptême.
Donc la force, pourquoi c'était, il parle spécialement de la force? Parce que c'est de la force de professer courageusement la foi jusqu'à la mort. Parce qu'un martyr en grec, ça veut dire le témoin. Donc celui qui est témoigne de sa foi avec danger de sa vie, qui est même torturé par un tyran, un persécuteur, qui lui ôte la vie parce qu'il reste fidèle à sa foi. Donc pour ça, il faut la force. On ne peut pas devenir martyr avec ses propres forces. Donc on a besoin d'une force surnaturelle. Et elle est donnée. Si on est appelé au martyr, le bon Dieu nous donne cette force. Et si c'est la force du martyr, c'est la vertu de la persévérance finale. C'est la vertu, la grâce la plus importante. Parce que si on a la persévérance finale, on a le ciel. Et on évite l'enfer. Et si on n'a pas, on a tout le reste, mais on n'a pas la persévérance finale, on va encore en enfer. Si on n'a rien, façon de parler, comme le bon larron, mais à la fin, on se convertit, on a la persévérance finale, on va au ciel. Hein? Donc la persévérance finale, c'est finalement la grâce la plus importante. C'est pour ça qu'ils insistent là-dessus, sur la force. Et à la... Pardon. Et à la force appartient aussi, effectivement, de tenir jusqu'à la fin. Pour ça, il faut être fort. Donc, tenir jusqu'à la fin, c'est pas toujours facile parce qu'on devient malade. Enfin, ça dépend de la mort qui vous va tomber dessus, n'est-ce pas? Si c'est un accident, ça va plus vite. Mais on n'a pas le temps de se préparer. C'est plutôt un mal. Dans la litanie de tous les saints, il y a une imploration qui demande de la mort subite ou imprévue, de la mort imprévue, délivre-nous Seigneur. Il y en a qui prient pour une mort imprévue, subite. Et ça fait pas mal, et on est parti directement. Mais ça, ce sont des païens qui pensent comme ça, n'est-ce pas? Un catholique doit pouvoir se préparer pour se mettre en ordre, pour bien se confesser, recevoir les liens sacrements, d'arranger son testament, d'essayer de encore accepter les souffrances de la fin de la vie pour expier les peines qui restent, pour éviter un purgatoire et surtout l'enfer, bien sûr. Mais même s'il avait évité l'enfer, il va encore essayer d'éviter le purgatoire. Et pour ça, par exemple, on peut encore, si la mort n'est pas imprévue, on peut avoir la bénédiction papale dans l'article de la mort qui vous donne une indulgence plénière si on appelle Jésus-Marie, on dit Jésus-Marie quand on meurt, et si on accepte le genre de mort que le bon Dieu a organisé pour vous, enfin, à ces conditions. Trois conditions, donc on reçoit la bénédiction d'un prêtre, c'est pas qu'il a reçu ce pouvoir, de donner la bénédiction papale dans l'article de la mort. Ensuite, il faut accepter la mort qui vous advient, n'est-ce pas, qui vous arrive. Et ensuite, il faut invoquer le nom de Jésus-Marie, au moins mentalement, si on ne peut plus parler, au moins mentalement. Et ça donne, donc ces trois conditions donnent une indulgence plénière. Si on a une indulgence plénière, ça veut dire qu'on va directement au ciel. Donc, avec une mort subite, il n'y a pas question. Hein, donc, une mort imprévue, ça ne sait pas bien. Voilà. Donc, la définition de la confirmation donne donc la plénitude des grâces et des dons. Et les grâces et les dons, on les a vus, hein, les grâces sont... enfin, la plénitude des grâces, c'est dans plus de grâces sanctifiantes, la grâce... actuelle. Pour souffrir avec mérite, pour accepter la mort justement, ne pas être en révolte, ne pas pécher à la dernière minute, parce que le diable nous tente aussi, n'est-ce pas, au moment de mourir, pour nous faire encore fesser un péché mortel, soit ce avec, uniquement avec la pensée, mais on peut pécher mortellement en pensée. Hein. Voilà, donc, des mouvements de haine, ou de contre-chasté, ou de haine, approuvés sont des péchés mortels.
C'est cette plein consentement, consentement et l'injonctance, un sentiment de haine, péché mortel. Donc, il faut, donc quels sont les, enfin, vous connaissez les grâces et les dons, je vais peut-être plus répéter, la grâce sanctifiante, la grâce actuelle, ou la grâce actuelle plurielle. Ensuite, les vertus théologales, augmentation de foi, d'espérance, de charité, les vertus cardinaux, cardinales, je veux dire, prudence, justice, tempérance et force. Et là-dessus, les dons du Saint-Esprit, la sagesse, la science, l'intelligence, le conseil, la dévotion, la crainte de Dieu et la force. Voilà. La force comme don du Saint-Esprit. Par quel rite le Saint-Esprit nous est-il donné dans la confirmation? Il nous est donné dans la confirmation par l'imposition des mains de l'évêque, l'onction du Saint-Crème et les paroles sacramentelles. Donc il faut un évêque, c'est le ministre ordinaire, c'est l'évêque. Il y a des ministres extraordinaires, c'est le prêtre. Le prêtre qui a reçu un mandat du pape ou directement ou par un évêque. Donc un diacre ne peut pas donner la confirmation. Donc un évêque, c'est normal, et un prêtre, c'est le ministre extraordinaire. Si l'évêque ne peut pas venir ou il a des problèmes, voilà, ou il y a des problèmes d'organiser la confirmation avec un évêque. Et c'est urgent, par exemple, il faut se marier, il y a un mariage, il y a déjà l'enfant, il faut se marier, pour être marié, il faut être confirmé. Et l'évêque habite loin, n'est-ce pas, comme maintenant en Amérique. Alors, le prêtre en temps normal ne peut recevoir un mandat. Pour les pays de mission en Amérique, il y avait automatiquement le mandat donné à tout prêtre. Et aussi pour les prêtres orientaux, du rite oriental, ils ont le mandat de faire toujours la confirmation. Parce que dans le rite oriental, catholique oriental, ils ont l'habitude de donner la confirmation après le baptême, pour les petits-enfants. Même la communion. Nous, on attend l'âge de raison. Et c'est raisonnable. Parce que la confirmation donne la grâce pour défendre la foi et pour un petit bébé, bon, c'est pas, il va pas faire des discussions théologiques, on pense, normalement. Bon, c'est comme ça, les orientaux le font, en tout cas la confirmation donne une marque indélébile, donc elle ressoute la vie. Donc, et c'est parce que la confirmation est donnée dans le rite oriental catholique juste après le baptême, avec aussi la communion, eh bien, tout prêtre reçoit le mandat pour donner la confirmation. Donc, c'est moins solennel. C'est beau que l'évêque le fasse parce que ça marque plus la dignité de la confirmation, qui est le finishing touch, la dernière perfection, la finition de perfection. Et ça appartient au chef, au prince de le faire, à l'évêque. Parce que la confirmation donne la plénitude des dons et des grâces. Donc c'est comme une finition de l'édifice surnaturel. Donc après le baptême, éventuellement confession, eucharistie, voilà, il y a la finition, c'est la confirmation. Et après, il y a les sacrements qui sont pour les offices, les tâches qu'on a dans la société, prêtre ou marié, mais ça a rapport avec d'autres personnes. Le mariage pour engendrer des enfants, les éduquer, et les prêtres pour s'occuper des âmes. Donc c'est plutôt des tâches qu'on a dans la société.
Alors, il faut un évêque, donc, normalement, ou un prêtre, imposition des mains, donc il faut un rite, il faut suivre le rite traditionnel. Onction de sainte crème, et cette crème composée de plusieurs herbes, mais la base, c'est quand même l'huile d'olive. Et les pères d'église disent que s'il n'y a pas d'huile d'olive, la confirmation est invalide. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a institué comme ça après sa résurrection et avant son ascension. Alors il parlait, dit l'Écriture sainte, du royaume de Dieu. Donc, c'est dans le catéchisme de France, soit le catéchisme romain. Si vous voyez dans le chapitre de confirmation, il donne trois noms de trois pères d'église, dont il y a un pape, qui disent que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué que, à la confirmation, il faut l'huile d'olive pour la validité du sacrement. Et il faut les paroles sacramentelles justes. Alors, ça donne un problème, ça pose un problème dans le Nouveau Ordo. La plupart des sacrements ont été changés en 1970. Le problème, c'est qu'ils ont mis dans le nouveau ordre pour la confirmation qu'on peut donner la confirmation avec d'autres huiles végétales que l'huile d'olive. Et voilà, et c'est invalide. C'est invalide. Alors, j'ai eu une discussion sur ça avec Michael Davis, que j'avais rencontré en Hollande, quand j'étais supérieur de la Hollande, dans la fraternité Saint-Pilis. Il disait, oui, mais un pape a le pouvoir de changer ça, donc de changer la matière. Alors moi, j'ai appris au séminaire qu'un pape ne peut pas changer les sacrements, que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué les sacrements et qu'on ne peut pas les changer. Comme par exemple pour la messe, on ne peut pas changer le pain dans autre chose, dans des crêpes, je ne sais pas. Dans des coupes de maïs où on ne peut pas changer la matière, les sacrements, même pas la matière, et non plus la forme. Après, Michael Davis m'a encore contacté parce qu'il a fait recherche. Il a dit oui, effectivement, dans ce cas-ci, c'est invalide parce que j'ai trouvé que dans le sacrement de Novus Ordo de la confirmation, c'est pas le pape qui a changé la matière, mais un cardinal qui a ajouté la formule l'huile d'olive ou autre huile végétale. Et là, il était d'accord qu'un cardinal n'a pas le droit de changer, le pouvoir de changer le sacrement de confirmation, la matière de son sacrement. Donc, quoi que ce soit, moi je suis. La doctrine de l'Église commune que notre Seigneur Jésus-Christ a situé tous les sacrements et qu'on ne peut pas les changer, même pas un pas. Mais même si Michael Davis ne l'accepte pas, lui va aussi accepter que dans ce cas-ci, c'est invalide. Enfin, c'est douteux si j'utilise d'autres huiles que l'huile d'olive parce qu'un cardinal n'a pas ce pouvoir. Ensuite, si l'évêque, comme vous savez, les sacres et les évêques sont aussi ont été changés en la même période, 1970, et qu'aussi sur la consécration des évêques, il y a un doute. Donc, dans un doute, il faut considérer les sacrements comme invalides. C'est un principe dans la doctrine catholique. Eh bien, il faut considérer tous les évêques. Nouveaux ordres, c'est la plupart, la grande partie qui existe maintenant, comme invalide, ne pas être étant évêque. Donc même si c'est une bonne huile, correcte, l'huile d'olive, et les paroles sacramentelles, on en parlera tout de suite, sont valides, alors encore, il faut considérer la confirmation comme invalide, parce que si l'évêque est nouveau ordre, parce que voilà,
ce sacrement au nouveau pas. Donc, il n'y a pas seulement un problème avec la matière du sacrement, mais aussi avec le ministre du sacrement. Maintenant, avec la forme du sacrement, les paroles. Bien, les paroles de la confirmation viennent d'un rite oriental, catholique. Donc, les paroles en soi sont valides, mais c'est illicite de laisser tomber la version latine parce qu'elle est plus claire. Elle spécifie mieux les grâces. Et la formule orientale est plus vague. Donc, c'est un amadouissement. C'est valide parce que c'est un rite catholique, mais ce n'est pas une amélioration. Donc, il n'y a pas de raison pour changer le rite latin qui est plus clair par un rite qui est plus, les paroles qui sont moins claires. Donc, ça ne convient pas. Donc, ça touche la licéité, mais pas la validité du sacrement. Donc, conclusion, si vous avez eu une confirmation après 70, 70, et que l'évêque était un jeune évêque, et pas un ancien, un vieux, l'évêque a été consacré après 70 encore, c'est donc, il faut considérer comme invalide. Et si c'est un évêque âgé qui était sacré avant l'année 70, on peut trouver la liste des évêques sur Internet. Hiérarchie catholique, ça s'appelle, .org, je pense. Alors là, vous trouvez tous les évêques du monde entier, même décédés, avec la date de leur consécration. Donc, ça, c'est assez facile de trouver. Si vous avez le nom de l'évêque, vous pouvez trouver quand il a été ordonné et sacré. Mais le problème se pose alors, est-ce qu'il a utilisé, que vous avez par hasard un évêque qui était sacré avant 70 et qui a utilisé la formule même orientale catholique. Mais alors, il faut encore essayer de trouver s'il a utilisé l'huile d'olive. Et ça, c'est très difficile. On a eu un jeune homme, Patrick X, je l'appelle X Patrick X, qui est venu à Anvers, le prieur d'Anvers, pour se présenter comme un candidat au sacerdoce. Alors, on lui a demandé de vérifier ses sacrements. Et il a appelé l'évêché d'Anvers. Il a eu l'archiviste, le chanoine qui s'occupe des archives. Et il lui a demandé, dans cette année-là, où il a été confirmé, quelle huile a été utilisée. Il dit oui, parce que je fais une étude sur la confirmation. Bon, il étudie sa confirmation en son cas. Bon, c'était pas menti. Et le chanoine responsable, il lui répond, ah, c'était de l'huile de tournesol. Il dit, pourquoi vous devez savoir ça? Il dit, ouais, parce que l'ancienne doctrine, n'est-ce pas, catholique, traditionnelle, dit que l'huile d'olive est valide. Le lendemain, ce chanoine, il le rappelle, dit, oui, je suis trompé, c'était quand même l'huile d'olive. Mais du coup, on a quand même perdu la confiance. Donc, ils sont capables, c'est prouvé qu'ils sont capables d'utiliser l'huile de tournesol. Et j'ai vu une fois une explication, oh, c'est quand même si beau, hein, le tournesol, il se tourne vers le soleil. C'est comme notre âme qui doit toujours se tourner vers Dieu. Donc, ils ont donné toute toutes les explications, n'est-ce pas? Mais le fait, c'est que c'est invalide. L'olivier donne beaucoup d'ombre. Et dans la Méditerranée, la Palestine, l'ombre, c'est un bienfait. Parce qu'il y a beaucoup de soleil, il y a des déserts, et l'ombre, c'est un bienfait, de rafraîchissement et de revivance, de retaper la santé et de reprendre des forces. Non, et l'olivier a beaucoup de feuillage, etc. Il donne un fruit très bon pour la santé, etc. Donc là, c'est bon pour la santé, c'est même utilisé pour donner des médicaments. L'huile aussi est utilisée pour masser les muscles des athlètes.
Et puisque la confirmation donne la force pour combattre, n'est-ce pas, pour la foi, eh bien, c'est le symbolisme que, voilà, le symbolisme que l'huile nous donne la force, nous met en forme pour bien combattre, n'est-ce pas? Et ensuite, l'huile donne aussi, si on laisse tomber l'huile sur une pierre, on ne peut pas enlever l'huile, c'est une marque quoi, quasi indélébile. L'huile, les taches de l'huile sont très tenaces, et c'est encore un indice que la confirmation donne la marque, le caractère indélébile. Donc vous voyez, l'huile d'olive, cet aspect de combat, les athlètes des Olympiades grecques et romains utilisaient l'huile d'olive pour se masser, n'est-ce pas? Et c'est utilisé comme médicament. Et tout ça, et voilà, donc tout ça, ce symbolisme est très approprié pour exprimer quelle grâce on reçoit par la confirmation. Donc il faut faire attention, il faut vérifier la validité de ces sacrements. Quelles sont les conditions requises pour recevoir dignement la confirmation? Eh bien, comme je viens de dire, il faut être baptisé parce que seul le baptême donne l'accès à tous les sacrements. Ensuite, il faut connaître les principales vérités de la foi parce qu'il faut défendre la foi. Oui. Donc, il donne la force de professer courageusement la foi, c'est dans la définition. Donc, il faut la connaître. Pour la défendre, il faut la connaître. C'est pour ça qu'on donne la confirmation, normalement, après un cours de catéchisme. Le minimum, quand même. Ou bien avec la promesse qu'on va suivre un cours de catéchisme, si on a besoin de la confirmation. Et être en état de grâce. Bien sûr, c'est un sacrement des vivants. Donc il faut être baptisé ou, si on a péché, avoir confessé convenablement. La confirmation est donc un grand sacrement qu'il faut avoir en honneur. Donc il ne faut pas dire, je peux aller au ciel avec le baptême. Non, parce que la confirmation donne la plénitude et la force, n'est-ce pas? Donc, et on a besoin dans ces temps difficiles. Et c'est pour ça que l'Église avait l'habitude, normalement, de donner la confirmation. Je pars maintenant du rite latin. Pas comme les orientaux, juste après le baptême à la naissance, mais avec la première communion. Donc, quand l'enfant atteint l'âge de l'usage de son intelligence, alors il va apprendre à se confesser, il reçoit sa première communion et il devrait être confirmé aussitôt. Après, donc, un minimum de catéchisme. Et après, il fait un cours de catéchisme plus développé et à 12 ans, il fait sa profession de foi. Ça s'appelle la communion solennelle parce qu'alors, il va déclarer qu'il choisit vraiment pour la religion parce qu'il a étudié à fond et il a, à 12 ans, c'est un enfant adulte, comme on dit. C'est un enfant adulte. Et après, il entre dans la puberté et devient vraiment adulte. Mais à 12 ans, c'est la profession de foi. Alors, au début du XXe siècle, il y a une habitude qui s'est installée dans l'Église de donner la confirmation à 12 ans, avec la communion solennelle. Eh bien, bon, c'est une décision qu'ils ont prise, mais maintenant qu'il y a une crise de l'Église et que l'enfant est ciblé par le diable et par les francs-maçons, par les socialistes, les communistes, par les ennemis de l'Église et de l'humanité, il faut renforcer nos enfants. Donc, il faut revenir. Monsieur Lefebvre disait qu'il fallait donner la confirmation beaucoup plus tôt aux enfants. Il faut revenir, je dirais, à l'ancien régime. Donc, l'ancienne discipline là-dessus. Parce que c'est convenable. C'est plutôt une exception de donner la... Vu l'histoire de l'Église, donner à 12 ans la confirmation,
Moi, je l'ai eu à 12 ans, c'était normal à l'époque, mais vu l'histoire de l'Église, c'est pas si normal que ça. Donc, il vaut mieux donner la confirmation plus tôt, le plus tôt possible. Quels sont les effets de la confirmation? Eh bien, on a déjà vu un petit peu, maintenant on va les mettre en liste. Premièrement, la confirmation fortifie en nous la vie surnaturelle et augmente les dons du Saint-Esprit. Donc ici, il explique vraiment que c'est fortifier et augmenter. Parce qu'au début, à la définition, il dit donne. La confirmation, le sacrement qui nous donne l'Esprit Saint, c'est grâce. Donc, oui, mais dans ce sens qu'il donne plus, mais pas donne la première grâce et la première fois les dons, parce que ça s'est donné au baptême. Donc il faut dire donne plus, sous-entendu donne plus. Et ici, c'est bien dit. Donc la confirmation fortifie la vie surnaturelle et augmente les dons du Saint-Esprit. Jusqu'à la plénitude, comme je vous expliquais. Deuxièmement, il nous procure les grâces actuelles nécessaires pour professer et défendre la foi. Et c'est pour ça que la confirmation doit être donnée avant le mariage et avant la prêtrise. Parce que le mariage et la prêtrise exige qu'on est capable de transmettre la foi. Le mariage, qu'on transmette la foi à ses enfants et qu'on s'aide mutuellement à garder la foi, les époux. Et le prêtre, davantage, parce qu'il doit transmettre la foi, lui, ex officio, officiellement. Donc il doit être confirmé pour être prêtre. Et ça n'affecte pas la validité du sacerdoce, mais la licéité. Et c'est hautement utile et nécessaire. C'est normal. Je connais malheureusement au moins un confrère, et ce n'est pas le premier cas, c'est une mauvaise habitude à Seiskofen, à Fratensabilis, qui me disait qu'il avait reçu une confirmation nouveau rite et que jamais ça a été refait. Il n'a même pas fait un effort pour voir si c'était l'huile d'olive ou pas qu'ils ont utilisé. Et c'est comme ça qu'il a été ordonné. Donc, c'est un prêtre, il est validement ordonné, mais voilà, il manque, si la confirmation n'était pas valide, il manque de force, de grâce, il lui manque quelque chose. Et de fait, ce confrère, il est tombé avec une femme. Ce n'est pas normal non plus. Il est tombé avec une femme qui l'a rendu même enceinte, etc. Mais après, il a eu une fausse couche, soi-disant. Donc c'est toute une affaire, c'est tout un scandale. Voilà. Donc ça, c'est pas convenable, n'est-ce pas? Mais peut-être que ce confrère, il est tombé. Une des raisons, c'est qu'il lui manquait la confirmation. Il lui manquait quand même quelque chose. Mais son sacerdoce est valide. Mais ce n'est pas licite. On a besoin de la confirmation pour être prêtre. Donc c'est dans la loi de l'Église, il faut être confirmé avant de se marier et confirmé avant d'être ordonné, même les ordres mineurs. Troisièmement, elle imprime dans notre âme une marque ineffaçable et nous fait soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Les soldats, nous sommes l'Église combattante, militante. Donc c'est un combat. Donc il faut être viril, il faut être fort, aussi l'intelligence, il faut être stratège, il faut voir les embûches des ennemis. Il faut aller avec prudence pour vaincre pour obtenir la victoire. Quand la grâce de la confirmation nous est-elle surtout nécessaire? Eh bien, la grâce de confirmation nous est surtout nécessaire quand la foi est combattue et persécutée. Eh bien, nous sommes plein dedans. Donc, la grâce de confirmation est surtout nécessaire. Donc, il faut faire un effort spécial pour le plus vite possible être confirmé. Et si vous êtes confirmé, de vérifier si la confirmation est valide.
Si vous avez des doutes, prenez contact avec votre serviteur. Ensuite, quand nous sommes obligés de professer notre foi en public, voilà. Oui. Et il y a des cas où être obligé, et ça demande la force, parce que parfois c'est aller à l'encontre d'une mentalité, et c'est pénible, ça demande un sacrifice. Quand nous avons à subir des tentations contre la foi, ou des moqueries à cause de notre foi. Donc, excusez-moi. Donc, la dernière circonstance où on a besoin de la confirmation, c'est encore des circonstances de persécution, de combat, de notre état d'appartenir à l'Église militante. Je vois qu'il n'y a pas de questions entre-temps. Voilà. Il y a pas mal de gens qui suivent, c'est bien. Est-ce que je trouve encore quelque chose de plus dans le livre Théologie morale? Donc, le saint crème de confirmation, c'est un des trois huiles, les saintes huiles qui sont confectionnées par l'évêque lors de la messe chrismale, le soir de jeudi ou l'après-midi du jeudi saint. Alors l'évêque fait ça avec tous les prêtres, ou le plus possible de prêtres, de diacres et sous-diacres de son diocèse. Et c'est le plus noble des trois saintes huiles. C'est l'huile qui est utilisée pour la consécration. La consécration d'une église, de cloches, la consécration d'un roi, par exemple. La consécration de calice. Donc, elle est composée d'huile d'olive et de baume. Voilà. Donc, le saint crème, l'onction avec le saint crème est donnée en forme de croix, enfin, dans le rite latin en tout cas, accompagnée de l'imposition simulatée d'un main au pluriel. Voilà, donc la formule latine est « Je te signe avec le signe de la croix » qui met la main sur et fait avec le pouce de la main droite, il fait une croix sur le front, le pouce qui est induit dans le Saint-Huile, le crème, et je te confirme avec le chrisme de salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le signe de la croix qui est donné sur le front et en même temps imprime le signe de notre Jésus-Christ indélébile dans l'âme, parce que le sacrement effectue dans l'âme ce qui est exprimé selon les sens. Voilà. Et je te rends firme, je te rends ferme. Je te rends ferme. Confirmer veut dire je te rends ferme, fort, hein, pour le combat. Je te confirme avec la crème du salut. Le ferme pour atteindre le salut, le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc la Sainte Trinité. Donc cette formule latine est très claire et très belle. Alors, ça, on a vu, il n'y a rien de spécial. Ah oui, encore le parrainage. J'ai dit la dernière fois que pour la confirmation, il y a aussi un parrainage.
Donc, c'est un devoir grave d'avoir, quand c'est possible, un parrain de confirmation. C'est le droit canon 793. Pour être parrain validement, il faut remplir les mêmes conditions que pour le baptême. On a vu ça la dernière fois. De plus, il faut être confirmé soi-même. C'est évident. Ça, c'est du bon sens. Ça, c'est pour le parrainage valide. Pour être parrain licitement, on exige les mêmes conditions que pour le baptême. On exige en outre que le parrain de confirmation soit distinct du parrain de baptême. On ne peut pas prendre le même. Sinon, ça vaut pas la peine. On est déjà baptême, donc on ne prend pas le même. Sauf si la confirmation est administrée immédiatement après le baptême. Alors, c'est permis. Ensuite, il faut un parrain pour un garçon et une marraine pour une fille. Mais pour un motif raisonnable, le ministre peut permettre une exception à cette dernière règle. C'est normal parce que, bon, si on reste dans le même sexe, normalement, il n'y a pas de problème de... Vous savez quoi? Donc, parce que la confirmation, à l'époque, elle était donnée à un âge plus avancé. Alors, bon. Et c'est quand même un parrainage. La marraine, la parraine, c'est pour toute une vie. Hein, donc, voilà. Voilà, donc il faut éviter des difficultés supplémentaires qu'on peut éviter. Alors, on prend plutôt le même sexe, si c'est possible. Les fêtes du titre de parrain ou de marraine est de créer encore une parenté spirituelle avec le filleul. Mais cette fois-ci, justement, cette parenté ne constitue pas un empêchement pour le mariage. Celle du baptême, oui, mais pas celui de la confirmation. Et d'imposer le devoir de veiller au bien spirituel du filleul. Donc, c'est ça le but. C'est dans le canon 1079 et le canon 797. Donc, c'est le devoir, la tâche est de veiller au bien spirituel du filleul. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas plus de problèmes, je pense, ou de. Si vous avez des questions, tout va bien. Question ici. Quand il y a un doute sur la validité de l'évêque, oui. De la consécration de l'évêque, oui. Même. Oui. Quand il y a une franc-maçon qui a consacré un évêque, oui. Et par ça, l'intention c'est douteuse. Oui. Est-ce qu'on doit refaire la confirmation dans ce cas? Ah oui, donc la règle dans l'Église, c'est que pour tous les sacrements, le doute positif n'est pas permis. Le doute positif, ça veut dire un doute sérieux. Il n'est pas permis, dès qu'il y a un doute sérieux, on est obligé de refaire le sacrement. Sous condition, alors, s'il reste un doute, si c'est sûr qu'il est invalide, le premier sacrement, il ne faut pas, sous condition. Il est donné tout simplement. Mais si le doute reste, eh bien, le doute n'est pas permis, donc il faut refaire le sacrement, mais avec une condition. Si tu n'es pas confirmé, je te confirme. Donc l'évêque va exprimer cette intention de le faire sous une condition. Si tu non es confirmatus ou confirmata, si c'est une fille. Hein? Alors, c'est clair. Mais c'est pour tous les sacrements. Hein? Le doute n'est pas permis pour aucun sacrement. Ça, c'est une règle. Mais il faut un doute raisonnable, parce qu'on peut être scrupuleux et douter de tout.
faut un doute raisonnable, qu'il faut un indice que c'est possible qu'effectivement il y a une certaine probabilité, un certain pourcentage de possibilités que le sacrement est invalide. Alors à ce moment-là, il faut le refaire. On ne peut pas continuer avec un sacrement douteux. Il faut arrêter tout. Donc si on ne sait pas si on est baptisé, on arrête les communions et les confessions. Parce qu'on a seulement le droit de confesser la communion si on a un baptême valide. Donc il faut tout arrêter. Il vaut bien sûr pas arrêter le mariage quand on a un doute sur la confirmation, parce que je viens de dire que la confirmation n'est pas nécessaire pour la validité du mariage ni du sacerdoce. C'est pour la licéité. Donc s'il y a un doute sur la confirmation, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, mais vous avez besoin le plus vite possible de le faire, parce que vous voyez, la confirmation est nécessaire quand la foi est combattue et persécutée. Eh bien, on est plein dedans. Hein. On est dans un monde sous l'influence de Lucifer. C'est une bataille extraordinaire entre l'Église et Satan, et les enfants de lumière et de ténèbres. C'est un combat extraordinaire en ce moment. Donc il faut aussi des grâces extraordinaires. Et les grâces viennent surtout par les sacrements. Donc mettez-vous en ordre. Vous n'avez pas le droit de rester avec un doute. C'est l'imprudence qui peut être fatale. Oui, ça va. Est-ce qu'il y a un doute considérable concernant la consécration de Monseigneur Lefebvre? Ah là 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 là. Bon. Oui, ça c'est une question. Parce qu'il y a cette question de franc-maçon, là. Eh bien, il y a plusieurs sources maintenant. Ce n'est pas seulement le marquis de la Franquerie, mais il y a un chanoine qui a confessé Monseigneur Liénard avant sa mort. Il s'est confessé. Et alors, Monseigneur Liénard a dit au chanoine, vous pouvez rendre... public, ma confession. Je vous délie de. Vous n'êtes pas tenu au secret. Parce que le prêtre est tenu au secret confessionnal, sauf si le pénitent l'en délie. Le pénitent peut parler de sa propre confession, bien sûr. C'est ses propres péchés, donc il peut en parler. Mais le prêtre ne peut pas parler des péchés des autres qui ont entendu dans la confession. Sauf si le pénitent lui permet. Et Monseigneur Léonard a dit qu'il voulait se confesser et qu'il ne voulait pas qu'on ait une bonne idée de lui, une gloire qu'il ne méritait pas. Mais ce chanoine ne voulait. Alors, il y a trois choses que Monseigneur Léonard a dit, qu'il a travaillé avec les autres francs-maçons. Premièrement, qu'il était franc-maçon et qu'ils ont travaillé à rendre invalide la messe et l'ordination et le sacre. Surtout par les intentions, corrompant par la corruption des intentions. Et ils ont fait ça en donnant des formules, en introduisant dans l'Église des formules ambiguës dans nos ordos. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on a compris. Hein. On n'avait pas besoin de lire Monseigneur Léonard de le savoir. Mm-hmm. Mais au moins, il y a un aveu que c'était leur intention de le faire. Et si le prêtre, le sacerdoce et l'épiscopat sont invalides pour une grande partie, ou la plus grande partie, ou à certains moments presque tous, dans la secte conciliaire. Mmh. Alors, voilà, tout est cassé, il n'y a plus rien. Parce que toute la religion vient par la cause efficiente. Si la cause efficiente est cassée, la chose n'est plus là. Hein. C'est toute une religion totalement invalide, ils n'ont plus la grâce, etc. Voilà. Alors c'est embêtant qu'il a avoué ça, donc ça confirme, parce qu'avant on disait oui, mais c'est Monseigneur, c'est un personnage un petit peu bizarre, extravagant, marquis de la Franquerie, et il se disait camerlingue depuis 12, etc. Donc bien, il savait beaucoup de choses.
Et c'est lui qui avait dit que Monseigneur Hénard avait des informations en 33e degré lorsqu'il a ordonné Monseigneur Lefebvre et ensuite la sacrée. Mais on dit oui, même dans l'Écriture sainte, il y a marqué le témoignage d'un seul homme ne vaut pas pour un prêtre. Maintenant, il y en a deux. Alors, et ça porte sur l'intention, justement. Le deuxième aveu, parce qu'on disait d'abord, c'est pas prouvé qu'il est franc-maçon, mais maintenant il y a deux indices. Et alors, on a dit, oui, mais c'est pas parce que c'est un franc-maçon que forcément son intention est perverse. Mais maintenant, dans ce deuxième aveu, il dit, Léonard a avoué qu'il a voulu corrompre les intentions des sacrements. Donc, dans cette déclaration des chanoines, il ne parle pas du sacre de Monseigneur, de l'ordination de Monseigneur Lefebvre. Mais c'est quand même embêtant qu'il disait qu'il avait l'intention de pervertir toutes les intentions. Alors, ça devient plus probable qu'il avait l'intention d'en pervers quand lui-même a réussi le sacrement. Alors on a dit oui, mais c'est pas grave parce que Monseigneur Lefebvre a été, comme tout évêque, sacré par trois évêques. Si Léonard n'est pas en ordre, il y a encore deux pour qui étaient en ordre, donc il a reçu l'épiscopat. Cet argument ne vaut pas parce que on est seulement sacré évêque si on est prêtre. C'est dans la formule même du sacre. La formule du sacre dit rempli. Esprit Saint, Dieu rempli, augmente à ce prêtre ce qui lui manque pour devenir prêtre parfait, donc complet. Ça veut dire épiscopus, évêque. Augmenter à ce prêtre ce qui lui manque pour devenir évêque. Voilà. Donc, la matière, le sujet du sacrement, c'est un prêtrise. C'est dans les paroles mêmes, la consécration. Donc, et puisque l'Église ne peut pas mentir dans ses paroles, c'est clair que c'est être un prêtre. Deuxièmement, saint Thomas l'a dit aussi. Il dit qu'il faut être prêtre pour être consacré évêque. Donc, la consécration per saltum ne vaut pas pour l'épiscopat. Per saltum, ça veut dire per saut. Qu'on saute des étapes. Ça vaut bien pour la prêtrise. Et si on est baptisé, on peut être ordonné prêtre directement. Normalement, l'Église demande de passer par les ordres mineurs et majeurs, 4 ordres de mineurs, 3 ordres de majeurs, et qu'on fasse l'une ordination après l'autre, dans l'ordre ascendante. Donc d'abord la tonsure, c'est pas un sacrement, c'est la sacramentelle. Par la tonsure, on devient membre du clergé. Ensuite, le premier c'est sacristain, donc portier, sacristain. Ensuite, on devient lecteur. Ensuite, exorciste. Ensuite, acolyte. Et 4 ordres mineurs. Ensuite, ordre majeur, ensuite, après l'acolyta, on devient subdiacre, diacre et prêtre. Mais si on saute, on a tout ce qui est en dessous. Donc si vous êtes ordonné sous-diacre, vous avez tous les 4 ordres mineurs qui sont en dessous, vous les avez inclus, inclusivement. Si on vous ordonne directement baptiser seulement un homme, mais qui est capable de, enfin, il faut être capable, bien sûr. Si en cas de nécessité de persécution, de guerre, on est directement sacré, ordonné diacre, il a tout ce qui est en dessous, les 4 ordres mineurs et le sous-diaconat. S'il est directement ordonné prêtre, une seule cérémonie, il a tout ce qui est en dessous. S'il est prêtre, il est encore diacre, sous-diacre, etc. Donc ça vaut pour les 7 ordres sacerdotaux, mineurs et majeurs, mais pas pour l'épiscopat. L'ordination per saltum, quand on saute, c'est par saut, saltum,
Saltum, ça veut dire un saut en latin. Ça existe pour le sacerdoce, mais pas pour l'épiscopat. Donc, l'argument de dire Mons-le-Fèvre a été sacré par trois évêques, il n'y a pas de problème, non, ça ne vaut pas non plus. Alors, moi, je me suis posé la question parce que j'étais passé d'adventiste, je pensais que le cédéventisme était une voie de garage, c'était faux à l'époque parce qu'il y avait un groupe en Belgique qui se présentait et qui donnait des faux arguments, et donc j'ai jamais accepté le sédéventisme parce que les arguments qu'ils me donnaient étaient faux. Et maintenant encore, je trouve qu'ils sont faux. C'est vrai que le sédéventisme est vrai, mais les arguments qui étaient donnés par un certain groupe étaient faux. Donc, je n'étais pas sédéventiste, et donc il y avait en dehors des évêques de la fraternité, il n'y avait pas d'évêques dans le monde entier. Donc, c'était ça ou rien. Et c'était juste avant mon ordination que je me rends compte que cette histoire du sacre de Mons-le-Fèvre par un franc-maçon, n'est-ce pas, se propose. Eh bien, j'ai cherché, parce que j'avais encore l'accès à la bibliothèque, j'étais bibliothécaire en chef, bibliothèque des Cônes, en tant que séminariste, j'étais diacre. Et je me posais la question. J'ai cherché. J'avais plus de temps là-haut que les autres pour accéder à la bibliothèque pour chercher. Et j'ai passé pas mal de temps. J'ai trouvé quand même des explications intéressantes. La providence est toujours là pour nous aider. Donc, j'ai trouvé dans Biluard, qui est un très grand théologien, que si dans un sacrement, la conférence du sacrement, la donation, donc la confection du sacrement, que le rite est tenu, que tout ce que l'Église demande est tenu, tout, extérieurement. L'ordinant, celui qui va être ordonné, ne peut pas savoir qu'il y a un intrus là, quelqu'un de faux, un franc-maçon. À l'époque, ce n'était pas connu que Léonard était franc-maçon. Donc, il ne peut rien savoir et tout est en ordre. Et qu'un homme averti ne peut rien et que tout était fait comme il faut. Alors, si le consécrateur a une mauvaise intention, le sacrement est invalide. Ah oui, parce que l'intention appartient à les conditions de validité des sacrements. Mais puisqu'on ne peut rien savoir à l'extérieur, il n'a jamais parlé de ça, on ne peut pas savoir parce qu'il accomplit tous les rites de l'Église et les textes disent qu'il a telle ou telle intention, n'est-ce pas? Une intention. Dans ce cas-là, eh bien, en soi, le sacrement est invalide, mais puisque, dans ce cas-là, plus personne saurait dans l'Église s'il a reçu un sacrement, parce que tout le monde peut avoir une mauvaise intention, l'Église serait détruite. L'Église serait détruite parce qu'on ne saurait plus si on était vraiment baptisé on ne saurait plus, on a une confession valide, on ne saurait plus rien. Donc l'Église serait détruite. Et ça, ce n'est pas possible parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc dans ce cas-là, dit Biluard, donc les théologiens, ils disent que parce qu'on prend cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ au sérieux, alors c'est Dieu lui-même, sacerdos, le prêtre suprême, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, supplée, il intervient et c'est lui qui donne le sacrement dans ces conditions-là. Donc si extérieurement on ne voit rien, un homme averti, convenable, prudent, ne peut pas savoir que celui qui donne le sacrement est un perverti.
et qui fait tout ce que l'Église demande de faire, mais seulement il y a une chose qui manque, c'est l'intérieur, c'est l'intention. Alors le sacrement est valide, sauf si on ne peut pas le voir. C'est le bon Dieu qui intervient et le sacrement est valide quand même. Et c'est pour ça que je considère Monseigneur comme un évêque valide et que tous les sacerdoces, tous les prêtres qu'il a fait sont valides. Moi-même, j'ai eu la confirmation de cela parce que il y a 3 fois que j'ai donné l'extrême onction à des patients qui étaient des personnes qui étaient mourants, n'est-ce pas, et condamnés par les docteurs, par la science. C'était 3 quarts de cancer terminal, vraiment. Et j'ai donné l'extrême onction, et ils sont guéris tous les 3 après quelques jours. C'est monsieur, un fidèle de Let's and Dam en Hollande, c'était en 1995. La deuxième, c'était une femme de vétéran, Madame Bulté. Et la troisième, c'est une sœur de Monsieur d'Autolens à Paris. Une jeune femme avec des enfants. Patiente terminale. Eh bien, ces 3 personnes ont été guéries dans quelques jours après. Donc, ce n'était pas normal. Le docteur ne trouvait plus le cancer. Et donc c'est clairement l'extrême onction qui a fait ça. Eh bien, pour conférer le sacrement de l'extrême onction validement, il faut être prêtre. Donc, pour moi, c'était une preuve que j'avais effectivement un sacerdoce valide. Donc c'est un peu compliqué hein, cette affaire, oui. Mais c'est pénible, mais c'est comme ça, hein, ça appartient à la crise de l'Église. Il y a aussi 2 témoignants qui disent que Mgr Liénard était franc-maçon, mais c'est seulement un témoignage qui dit qu'il avait la mauvaise intention. Oui. C'est un mot. Oui, mais si c'est un aveu, c'est une preuve aussi. Un aveu? Un aveu. Un bekentenis. Oui. Voilà. Oui. Oui, on peut dire ça. Oui. Que c'est un seul témoignage oui. Qui dit que sur l'intention, mais ce témoignage repose sur un aveu, et l'aveu c'est une preuve. Bon, ouais. Oui. Ça reste un témoignage. Oui, oui. Les morts, donc, Mais le témoignage est un aveu. Le témoignage est un aveu. Oui. Mais on ne peut plus lui demander, hein, ce chanoine, je ne sais plus s'il vit toujours. Monseigneur Liénard aurait dit, donc le chanoine aurait dit en public, parce qu'il n'en a pas trop parlé. Parce que l'évêque de Lille était un mondaniste, et quand il parlait trop de cet aveu de Mgr Liénard, il aurait perdu sa place, parce que c'est quand même contre la secte conciliaire qu'il parlait. Mm-hmm. La seule chose que ce chanoine a dit, c'est que je vais trouver son nom, vous savez, c'est un peu une petite recherche, c'est pas important. Il y a quelques semaines que je n'ai encore en parlé, j'en ai parlé. Eh bien, donc ce chanoine dans ce cas-ci, il ne voulait pas parler de ça pour ne pas perdre sa place dans le diocèse parce qu'il avait un hôtel, il pouvait dire l'ancienne messe à l'hôtel, il pouvait encore confesser. Et pour ne pas perdre cela, parce qu'il y aura, sinon il y aura des représailles de l'évêque de Lille, il a seulement dit, Mgr Liénard a dit sur son lit de mort que humainement parlant,
l'Église catholique est morte, est finie. Le plus se relever, humainement parlant. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Mais c'est à une autre personne en privé, de qui il a parlé de ça, n'est-ce pas, beaucoup plus que Monsieur Léonard avait vraiment dit. Voilà. Donc, ça c'est sur la... Oui, sur la confirmation de l'évêque. Il y a des problèmes. Oui, c'est difficile, c'est très dangereux. Hein. Oui. On a travaillé sur l'invalidité des évêques, et s'il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacrements. Oui, oui, le sacrement, oui, le baptême, c'est ça. Le baptême reste toujours, le mariage aussi, mais pour le reste, l'Église, oui, elle est vaincue. Hein. Et c'est, le bon Dieu ne permettra jamais ça, hein. Pas possible. Il y a aussi la fraternité de Saint-Pie V, qui et quelques d'autres fidèles aussi, qui disent que la consécration de Monseigneur Stuck n'est pas valide ou que c'est douteuse ou quelque chose. Non, mais ça, c'est pas raisonnable, ça. Il y a deux raisons pour dire que la consécration, soit disant, la consécration de Monseigneur Stuck serait invalide. C'est qu'il était sénile à la fin de sa vie. Donc, il ne savait plus ce qu'il faisait, donc il n'avait pas l'intention. Parce que... Et deuxièmement, c'est encore... Ah oui, qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Eh bien, donc, sur la première chose, qu'il était sénile, eh bien, je connais personnellement Mgr Madrigal, et qui m'a dit que son supérieur, Mgr Vizelis, qui l'a consacré, il a connu pendant des années Mgr Tuck, les dernières années de sa vie, et que Mgr Tuck était très lucide, très intelligent, il connaît plusieurs langues, et donc il n'est pas sénile du tout. Voilà. Donc c'est une calomnie, que Mgr Tuck était trop sénile. Le deuxième argument de dire que les sacrements de Tuck sont invalides, c'est-à-dire qu'il a dit une fois, qu'il a dit, après les sacres de Palmar, il a dit oui, mais j'avais pas, pendant les sacres, j'avais pas l'intention de donner les sacres. Mais ça, il a dit une fois. Et c'est vrai que les sacres de Parmar, après, Parmar, il a abusé, ils ont commencé une secte. Et Mgr Tuck, voilà, c'est vrai que Mgr Tuck, c'est un oriental, c'est un vietnamien, il était gentil, il avait une horreur pour contredire les gens, en trop, il était assez affable, etc. Donc, c'est une certaine faiblesse, on peut le dire, oui. Donc, il a accepté de sacrer ces gens, et après, pour leur faire plaisir, ou ne pas les contrarier, mais finalement, intérieurement, il n'avait pas l'intention parce qu'il avait un doute sur leur honnêteté. Mais enfin, on ne peut pas faire ça. Hein. On ne peut pas le faire. Ça. Si c'est vrai, enfin, il a avoué, c'est une faute qu'il a fait. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait une fois là qu'il a fait toujours dans tous les cas. Au contraire, il a déclaré hautement qu'avec les sacres de Carmona et Zamora, les autres sacres, il avait vraiment l'intention de faire quelque chose pour l'Église, pour qu'elle continue. Il dit, je vais apporter quelque chose à l'Église catholique pour qu'elle continue convenablement. Donc là, il a quand même exprimé publiquement son intention de donner les sacres d'une manière convenable. Donc c'est pas raisonnable de dire qu'il a dit ça une fois, donc il n'a jamais eu l'intention de le faire. Ça, c'est pas raisonnable. Parce qu'au contraire, il a exprimé qu'il voulait bien le faire. Alors, ils ont dit, mais à la fin de sa vie, tout à fait à sa vie, il a rétracté tout, et il s'est réconcilié avec Rome. Oui, mais ça, c'est justement, Mgr Vizelis en parle, c'est qu'à la fin de sa vie, il y a des Vietnamiens conciliaires qui sont venus, pour fêter son anniversaire, enfin faire quelque chose avec lui, pour aller manger avec lui, pour parler avec lui, c'était des compatriotes. Mais finalement, ils n'ont fait jamais retourner au couvent de Mgr Vizelis. Ils l'ont pratiquement enlevé.
ils l'ont enlevé, enfermé et mis sous pression. Probablement, ils lui ont donné des médicaments qui travaillent sur la psychologie. Ils l'ont drogué. Et dans ces circonstances-là, il est tout près de sa mort. Il est la mort, là, dans ces circonstances. Peut-être qu'il est même tué. Hein. C'est un martyr. Eh bien, dans ces conditions-là, il aurait signé une résignation de tout ce qu'il a fait contre Rome apostate. Mais ça, ce n'est pas raisonnable de prendre ça comme valide, comme sérieux. C'était fait sous pression. C'est un vieil personnage qui avait une santé fragile, qu'on enlève, qu'on met sous pression, et qui après il meurt, n'est-ce pas? Il meurt, ces personnes meurent. Et on a voulu absolument qu'elle désavoue tous les actes qu'il avait fait, n'est-ce pas, Monseigneur Tuc, pour conserver l'Église contre les défauts de Vatican II. Ça, c'est pas raisonnable de dire que c'est un acte qui a été fait en plus après. Eh bien, vu toutes les circonstances et les témoignages qu'on a et les données qu'on a, c'est un faux, n'est-ce pas? C'est de sous pression, ou bien c'est un faux, ou bien c'est invalide parce qu'il a été fait sous une forte menace, violence et même sous l'influence de médicaments pour le rendre docile. On a essayé de faire la même chose avec Paul VI. Hein. À la fin de sa vie, quand il voulait retourner, retracter les erreurs de Vatican II, il a fait un effort pour ça. Ils sont capables de le faire. Donc ce sont deux raisons qu'ils apportent qui ne sont pas valables. Ce n'est pas raisonnable. Pas raisonnable. Bon, le truc a bien déclaré, avant et après les sacres qu'il a fait des amants et des Carmona, qu'il voulait faire ça convenablement pour aider l'Église. Il est très lucide, donc c'est absolument valide. Là, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais bien sûr, le diable veut toujours mettre le doute. Mais il y a une différence entre un doute raisonnable et un doute non raisonnable. Un doute positif ou un doute négatif. Vous comprenez? Il faut seulement tenir compte des doutes positifs. Ça va? Oui. Merci bien. Mais on a parlé des évêques parce que, bien sûr, la confirmation dépend de l'évêque normalement. Mais on en parlera, normalement, on aurait parlé quand on parle de sacrement de l'ordre. Mm-hmm. Voilà, donc on va terminer ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Sujet-t-il. Saint Joseph, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, à la prochaine, merci de mon prière. Ah oui, il faut ceux qui veulent, je continue de mettre à disposition l'adoration vue de Saint-Saul au sanctuaire. Merci. Thank you.